Eh bien salut tout le monde, c'est Azarat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4. Eh oui déjà, oui, ça va vite. Hein. Mais bon, uploader ce jeu-là sur YouTube, ça prend allez, une demi-heure. Donc autant en profiter et vous donner du contenu autant que possible, aussi vite que possible. En espérant que vous ayez le temps de tout voir. Parce que c'est vrai que j'en balance un peu trop là. Alors, on avait fini le développement de la simulation de conduite qui était Driver. Ça, les ventes ont eu un peu de mal à décoller malheureusement, mais, c'est pas ça qui va m'arrêter. La prochaine fois, j'oublierai pas de mettre du marketing. Là, on va tout de suite enchaîner sur des recherches, de la bonne recherche. Alors, éditeur de niveau, hop, on recherche Total Quad. Il me faut un truc IA amélioré. Oh la vache, 40, putain. 40. Ouais, allez, hop, on prend ça. Toi, tu peux me rechercher peut-être un nouveau thème. Développement de jeu. Un jeu sur le développement de jeu. Vous pensez à ce que je pense? On va essayer. On va faire celui-là. Tout de suite après, là, dès qu'ils ont fini la recherche, on fait celui-là. Allez, Coco, toi, t'as peut-être besoin d'un petit congé. Allez, vas-y, je te laisse. What the f... Qu'est-ce que c'est que ça? Déchiffrer le message. Ouh là là. Ça sent le hacker chinois, ça. Nous avons une offre très spéciale pour vous. Nos agents ont récemment parvenu à obtenir l'accès d'une partie des systèmes essentiels de l'un de vos concurrents. Si vous voulez les pénaliser, vous les transférez 120 000 sur le compte indiqué. Nous commençons le sabotage. Agent Blowfish. Agent Blowfish apparemment a subtilisé des données essentielles à l'entreprise de Killer Surprise, hein, mon concurrent. Mais je refuse. Je refuse parce que déjà c'est pas loyal. Faut être une petite pute. Et ça pue l'arnaque à plein nez surtout, donc non. C'est pas la peine. Donc hop, allez, c'est parti. On va développer le jeu qui va s'appeler tout simplement Game Dev Tycoon. Voilà, on va choisir le thème développement de jeu, le genre simulation. J'aurais le multigenre, j'aurais mis simulation stratégie, mais bon, on va rester sur simulation. Oh là là, oh, simulation. Une plateforme, alors c'est toujours cette plateforme qui est en tête. On va mettre le jeune public. Par contre, là, j'arrête pas d'enchaîner les simulations, il faudrait peut-être que je me calme un peu et que je change un peu de genre de jeu. Alors, 3DV1, commencer le développement. Alors, tout le monde est au taquet, j'espère. Allez hop, déjà 2 bugs, ça c'est fait. Azarat, ok, comment pose. Hop, on va faire comme ça. C'est parti. Allez, on y croit les gars. On y croit. Convention de jeux vidéo. C'est le 3. On va prendre un grand stand et on va faire les ouf. Là, je fous le paquet, là. Si ça a un bide... En plus, je sens le bide. Là, je vois 4 et 7. Je dis, ça sent pas bon. Je sens le bide. Mais je m'en fous. On fout le paquet. Non, ça va. Ça se rattrape. C'est cool. Ça s'est un peu rattrapé. Là, on va rien toucher. On va laisser comme ça. Hop. Allez. Allez, au taquet. Une interview en plus. Oh là 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 là. Interview, marketing, convention de jeu. Oh putain le hype. Jeu très attendu. Allez, on y croit. Oh, j'espère que je fais pas une connerie. Mon dieu. Allez. Je retire du marché, ouais. 1 million. Oh putain. mille visiteurs, c'est pas mal pour une première fois à l'E3. Bon, je suis pas dans le top 100, hein, normal. Je viens de commencer. Oh là là, le hype.
Allez, alors plus que ça, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est la PlayStation, ok, elle va bientôt sortir. Nouvelle 1, qui perd un lecteur CD-ROM, processeur 32 bits, ouais. Okay, okay. Allez, 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 allez. Nouvelle recherche, suite. Nickel, je vais pouvoir faire la suite des Sims. Le jeu qui a fait le big buzz. Et là, en plus, j'ai un nouveau moteur. Là, c'est sûr, ça va faire le... ça va être un jeu de ouf encore. Allez, les bugs. On enlève les bugs. Un petit peu de post-prod, allez. Voilà, encore un peu de points. C'est bon. Oh, c'est un nouveau record partout. C'est un nouveau record partout. Ok, ok, une augmentation. Disponible graphisme 3DV2. Oh putain, je vais faire un moteur graphique de cinglé. Mon dieu. Première critique. Là. Attends, là faut que ce soit le buzz. Là c'est obligé, attends. Je joue à Game Dev Tycoon, je fais des Game Dev Tycoon dans le jeu. Là, si c'est pas le buzz, c'est qu'il y a un souci. Allez. Oh, ça fait mal. J'espère que ça aura un effet positif sur les ventes, le truc. Ok, la PlayStation est sortie. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh merde. Effet négatif sur les ventes. Oh putain. Oh putain. Allez, les rapports. On génère les rapports. On perd pas de temps parce que là je suis en train de perdre de l'argent. 3DV2. On lance la recherche. Toi, tu vas en congé. Et toi, qu'est-ce que tu peux rechercher toi? Il reste 20 points. Suite. Oh putain, il reste pile poil 21 points, nickel. Oh là 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 là. J'y ai cru pourtant. C'est pas grave. On va se rattraper. Ah, il y a une petite hausse là quand même, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Gameplay semble être très important pour ce type de jeu, ouais. Bon, je sais pas pourquoi ils me disent ça, mais bon. Allez. Toi, t'as fini le rapport, mène-toi. D'accord, ok. Oui. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, on va développer... Comment on fait? Ah oui, sur le côté. Développer... créer moteur de jeu, voilà. 3DV2. IA amélioré. Éditeur de niveau. Pouh, on enlève celui-là. Moteur numéro 4, c'est parti. C'est parti. On va faire la suite des Sims. Alors, nouveau moteur de jeu. Numéro 4 est terminé. Ok. Toi, tu vas aller en congé. Et vous allez aller en congé, vous, les deux, là, parce que... Ok. Parce que... voilà. Hein. J'ai pas envie que vous me lâchiez pendant le développement. Allez. Le développement des suites, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Dépenses mensuelles, 130 000 quand même. C'est bon, ils sont revenus. Développer une suite, alors une suite de... C'était quoi l'autre jeu qui avait bien marché? C'était pas Diablo? Ace Combat, c'était Ace Combat. C'était Avion Simulation. Putain, mais je fais que ça, c'est pas possible. On va faire la suite des Sims, déjà.
Non, Ace Combo et après les Sims. Ouais, on va faire ça. Hop. Intermédiaire. Avion de simulation. Une plateforme. Une plateforme. Une plateforme. Ah, j'hésite. Et si on se lançait dans la PlayStation? On va se lancer dans la PlayStation, allez. On va changer un peu de... Hop, du coup, on va mettre en tout public. Le moteur de jeu, le nouveau. Et on va l'appeler Ace Combat 2, tout simplement. Alors, ça me coûtait 220 000 de développement. Ça va, allez. Hop, 270 000. On y croit, hein. Du coup je vais remettre un peu de hop, je vais rééquilibrer un peu de ça parce que j'avais un peu bougé le tout. On va faire comme ça, voilà, c'est parti. Arrête de te gratter la tête. Et je vais le virer lui, hein. Pourquoi il me fait ça? Ah, j'ai du hype qui monte tout seul, je sais pas pourquoi, j'ai rien fait en plus. Est-ce que je fais un petit coup de marketing? Je vais en faire un peu. Une petite campagne, allez, petite campagne. On va pas trop pousser le bouchon. Hein. IA améliorée, éditeur de niveau. Hop. Allez, bossez là. Ok. On va laisser comme ça. Allez, on laisse comme ça. Oula. Allez les gars, dernière ligne droite. Allez, 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 on accélère. Ouais, 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 c'est ça, c'est comme ça, c'est bien, oui. Les bugs. On dégage les bugs. Et ça continue, ça continue, ça continue. Ok. C'est bon, ils ont fini? Eh non, ils ont pas fini. Il semble que les jeux de type casual sont particulièrement demandés. Ah, merde. C'est pas grave. C'est pas une tendance qui va faire... nouveau record. C'est pas une tendance qui va faire flancher mon jeu, je pense pas. Ah ouais, mais c'est un peu tard, là. Je vais faire un petit stand, hein, quand même. Ça coûte pas cher. Multijoueurs sont stéréo. Nickel. Critique. Allez, 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 allez. Là, c'est une suite. Oh, oh putain, il y a un 10. Ah, oh, j'aurais dû foutre du marketing là-dedans. J'espère que ça va relancer un peu la courbe. Bon, c'est qu'un petit stand, donc bon. Donc voilà, mais bon. Ouais, bah bien sûr que je suis pas dans le top 100. Ah, ça relance que dalle, ça relance que dalle. C'est pas grave, c'est pas grave. On va refaire des formations, parce que... Alors lui, c'est tech. Hop, tech. Toi, c'est quoi? Toi, c'est équilibré. Hop, équilibré. Toi. Toi, t'es le designer, design. Et toi c'est équilibré aussi, je crois. Équilibré. Et toi, je vais te mettre de la vitesse. Hop. Petite formation pour tout le monde, ça peut pas faire de mal. Année 9, ça passe vite, hein, ça passe vite. Il y a déjà la PlayStation qui est sortie. Ouh, va falloir que j'accélère un peu le mouvement.
Ça y est? Ok. Ok. Toi, tu vas générer un rapport. Hop, toi, tu vas... Non, toi, oh, toi, là, tu vas en congé, toi. Qu'est-ce que je peux faire comme recherche? Cinématique simple. Dialogue amélioré. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pour l'instant, rien. Un nouveau thème, tout simplement. Oh, j'ai des thèmes de merde. Il me faudrait le thème fantasy ou un truc comme ça pour faire des bons RPG. Ça se vend bien, ça. Thème vampire, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, quoi? Allez, super-héros, on va prendre ça. Allez, arrête de te gratter la tête. Putain, les incapables. Il a l'air de se vendre longtemps quand même, j'ai l'impression. 3 millions, c'est déjà bien, quoi. Et si on tentait de faire un petit jeu? Non? J'ai jamais essayé de faire un petit jeu à ce stade-là. J'ai toujours fait des moyens. Une offre d'édition. On va regarder quand même. On regarde de temps en temps parce que... Arts martiaux. Putain. Cyberpunk non recherché. Tout public. Ils veulent un jeu qui fasse plus de 8. Ouais. Médiéval tout genre. Médiéval tout genre sur PC. On va essayer. On va essayer. Médiéval tout genre sur PC. On va faire un RPG. On va faire un petit RPG. Alors médiéval, tout public ou jeune, ou je vais laisser tout public. Genre RPG, PC, moteur, numéro 4. Ouais, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. On y croit. Hein? On y croit, on y croit, on y croit. On va mettre un peu de marketing. Une petite campagne. Hop. Alors, l'histoire qui est à donf, ça il en faut quand même. Et le moteur, non. Moteur coco, hop, c'est parti. Et là je suis sûr parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Donc ouais. Ça se présente pas mal, mais bon. Ça pourrait être un peu mieux quand même. Hop. Il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de Ace Combat 2. J'ai réussi à identifier quelques-uns pour vous sauver, pour s'y rendre justice, pour défendre notre copyright, tout simplement les avertir. Les avertir. Je préfère les avertir et pas faire ma pute encore une fois. Parce que je risquerais de perdre des fans et c'est pas du tout ce que je veux. Hop. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Allez là, au boulot! Ok, il n'y a plus de tendance particulière, c'est cool. Récemment envoyé un avertissement à plusieurs joueurs utilisant une copie illégale. Le piratage est un problème de plus en plus important dans l'industrie. Certaines sociétés investissent beaucoup d'argent et d'efforts. Piratage, tandis que d'autres pensent qu'il est préférable d'adopter une approche plus détendue et d'investir dans de meilleurs jeux. Okay. On a gagné des fans, voilà. Bon, 247, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Allez, 26 bugs à enlever, il y a du boulot. Bon, il n'y a pas beaucoup de hype, mais... Oh là là, les bugs, hein, eh oh. Hop, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de hype. Mais il y a un record de design. J'espère que je vais tenir mes engagements auprès
auprès des Codemeister. Professionnel atteint le niveau 5. Ah cool, j'ai le niveau 5 pour un personnage. Ça a débloqué une formation spéciale appelée Boost. Cette formation est chère et le personnage doit avoir au moins 500 en design ou en technologie pour la suivre. Mais l'investissement en vaut largement la peine. Okay. Une fois la formation suivie, le boost permet temporairement d'augmenter la performance de votre personnel et peut vraiment vous aider à sortir un hit. Ok, bah c'est cool. C'est qui qui a... Histoire ramifiée, cycle jour nuit, ok. Putain, c'est lui. Oh le... Mon dieu. C'est un bon rien, lui. Critique du jeu. Il me faut un score de 6 ou plus, c'est ça? 6 ou 8. Oh merde. J'espère que c'est pas 8. J'espère que c'était pas 8 et que c'était 6. Oh putain, j'espère que c'était 6. Je sais plus, j'espère que c'était 6. Allez, dites-moi que c'était 6. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, à annoncer aujourd'hui... Ah, la Nintendo 64 va sortir, apparemment. Ok. Bien moins coûteux. Okay. On va bien voir ce que ça donne, hein. Ça... Pour l'instant, en tête des ventes de la part de marché, hein, c'est toujours pareil. Rapport de jeu, Medieval Story, une recherche. Une recherche, histoire ramifiée. Recherche, multijoueur. Et toi, tu vas me faire une formation. Une formation en recherche. C'est un bon investissement, je pense. Ils ont rien trouvé dans le rapport. Alors ça va pas me servir à grand chose, hein. Petit stand, allez, histoire de faire quelque chose quand même, de pas être absent. Mais bon, c'est pas voilà. Alors on va faire une suite de qu'est-ce qui a bien marché. 6. Putain, mais c'est les simulateurs qui marchent le mieux, quoi. Une suite d'un vieux jeu. Diablo, j'ai bien envie de faire Diablo 2. Allez, c'est parti. Intermédiaire, donjon action. C'était quoi, donjon action? Tout public, action, ouais. On va laisser en tout public. Une plateforme. Hop, PlayStation. Diablo 2. Hop, Diablo 2. L'espace. Moteur de jeu numéro 4. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah merde, choix du genre, putain. Action. Tout public, ok. Hop, c'est bon. 3DV2. Moteur, boum. Gameplay, je sais pas trop. Histoire quête, on va les mettre comme ça. C'est parti. C'est parti. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Ah, la Nintendo 64 sortie. Ah oui. Finalement, le 3 tombera pile au bon moment. Enfin, pile au bon moment. Ça dépend. Ça dépend de ce que ça va donner. Ouais, ça c'est normal, c'est normal. Une interview, tiens. Allez, très attendu.
On va faire une petite campagne. Hop. Ça a l'air de bien démarrer quand même. Là, ça a l'air d'être pas mal. Là, ça sent bon. Arrêtez de gratter la tête. Putain, je vais le virer, lui. Il me saoule. Ok, 2 millions, ouais. Il est en train de battre tous les records en technologie. Conception du monde. Hop. Allez, on va faire comme ça. Hop. Ok, c'est parti. Bon, désolé si vous entendez des bruits bizarres à côté, c'est parce qu'il y a mon chat qui est en train de péter un plomb, il court sur les murs, il grimpe aux portes. Je sais pas ce qu'il lui prend. Hein. Ça doit être parce qu'il est en train de me voir parler tout seul à un micro, alors ça l'excite. Alors, oh là là, on va dépasser les 100 en technologie ou pas là? Et voilà, 100 de technologie, nickel. Terminé, allez. Ça se présente bien, ça se présente bien. Nouvelle recherche, dialogue arborescent, ok. C'est déjà ça de prix. Critique, allez, Diablo 2. Oh putain, j'y ai cru. J'y ai cru. Ah, 9, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, un 10, là. Ouch! Oh. Ah, stratégie populaire. Je vais peut-être faire encore une suite dans mes vieux jeux. Les ventes, oh là 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 là! 1 million 2 la première semaine, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, ok. Accorde un congé, les autres ils vont faire des recherches. Qu'est-ce que j'ai à rechercher? Cycle jour-nuit. Cycle jour-nuit, dialogue arborescent. Il me reste 20 points de recherche. Je peux avoir quoi avec ça? Des thèmes. Arts martiaux. Arts martiaux. Encore un petit thème. Rythme. Rythme. Qu'est-ce que je peux faire avec rythme? Un jeu de musique. Ouais, on va le prendre, on va le prendre. On verra bien ce qu'on peut faire avec ça, mais je sais pas trop. Elle, quand elle va revenir, elle va faire le rapport. Ok, d'accord. Oh là là là, c'est nickel. Toi, tu vas faire le petit rapport de jeu de Diablo 2. Voilà. Putain, la Super NES, elle va déjà être retirée du marché. Oh là là. Le son est très important, d'accord. L'auto-édition médium des jeux sera plus efficace lorsqu'on aura au moins 100 000 fans. Des contrats d'édition peuvent nous donner une grande visibilité et nous aider à atteindre plus de joueurs. Ouais. Mais j'ai pas encore 100 000 fans. Ça monte tout doucement, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Et je vois que ça fait déjà presque une demi-heure qu'on tourne. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode... L'épisode 4. Si je dis pas de conneries, c'est le 4e épisode. En espérant que ça vous ait plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, hein, si vous avez quelque chose à me proposer, quelque chose à me dire, un petit conseil ou quoi. Sans de cheat, hein, sans le spoil, ni rien, s'il vous plaît. Mais si vous avez un petit conseil, du genre pour les formations, les investissements, etc., je vous en serai très reconnaissant. Je vous invite à aller voir encore une fois le let's play du côté de Killer Surprise 39, voir comment s'en sort son entreprise par rapport à la mienne. Donc voilà, c'était Azarath pour Gaming for Fun. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Ciao tout le monde.